vuole dire what in inglese? Cosa? Cosa vuole dire what in inglese? Cosa? Si désordonné. Cosa vuole dire what in inglese? Vuole dire cosa? Mais tu gourier rogui. Fifi, na casque. Mi vuoi dire tu cosa vuole dire what in inglese? Vuole dire cosa? Cosa? Cosa cosa? Cosa è what? Vuole dire cosa? What è cosa e cosa è what? What? Hey. Babà. Babà? Vuoi qualcosa? No. Allora, che c'è? Nulla. Perché mi vedi così? Ti vedo. Ah, ecco che tu mi vedi, ma chi t'accai? Nulla, perché c'è una legge che dice che non ti posso mica vedere. No, ma tu non mi vedi mica, ma ci vedi così. E allora? Allora non mi piace mica. Vabbè, non ti vedo più, ciao. Non ti pescemo, bene qui di mattinata, ti vedi così come un cioccio. Ti pescemo, pescemo. Mi puoi spiegare qui? Cosa? Ci l'avevi denti con un bastone, ci l'avevi. Non è mica un bastone, è una mazzetta. Non conosci mica o si walk. Di una maniera antichissima di lavarsi i denti. E poi, di naturale, senza plastico. E in dove l'hai trovato, questo siwak? Non da internet, ma non ne hanno più. Non ne hanno più? Allora cosa è qui? Un bastone. Ah, oh, basta! Facciano tre giorni che tu hai a bocca in sangue e che ti puzza l'ancio. Allora fai meglio di pigliare a tuo brossa denti, non siamo mica colonta qui. Pas mon œuf à la coque. À la coque. Avec cette cuisson, ça s'appelle un œuf dur. Et tes mouillettes, elles sont trop sèches. Oui, ben excuse-moi, hein, j'ai pas eu le temps de faire à manger. Je gère une ville, moi. Je gère une ville. Je gère une ville. Trois maisons, un clocher, et gère une ville. Non mais attends, sérieux. Et même l'eau, elle est trop froide. Oh, qu'est-ce qui t'arrive à toi aujourd'hui? Tu as mangé un poulpe ou quoi? Non, non, rien, ma chérie. Je pars à Paris après-demain. Là, je m'entraîne pour être désagréable. Il faut bien que je me fonde dans la masse, non? Mais pour l'instant, tu es encore en Corse, Baba? Oui, oui, Baby Kate, oui. En revanche, l'œuf, toujours trop cuit, hein. Non. Mais qui c'est là, ça fait où est-ce un gym? Beh, è bizzarro. Parlo un'agula, no? L'agula è un boleno mica così. Ouais, allez, on est manqué un agile. Ouais. C'est là un drone. Le plus gros, ce qu'un drone. Oui, il y a ça, il est gros. Parez-nous à Paris Timidore. Fais-nous les bruits. Ouais. Mais bruits, un caragoudo, qui pleut. Qui ne sait pas. Et c'est là à nous, extraterrestre. Non, l'extraterrestre, un caragoudo, qui n'en a pas. Ah, on l'a sait, Isida. Un portugais. Ouais, t'as raison. Tant d'où venirais plutôt tu, un castellaccio qui est cuit. In Castellaccio sono già giunti. Pare che hanno anche violato. Un portaghe. Ti guardo mio, che ti cerca? Mi sarò un parente. Esci mi. Due. Eda! Mi, io direi che tu giri da prima di tutto per YouTube. Ma già da ritardare la sortita di Jojo Serial Reparator. Fede, se tu sai mica cosa di, ti posso far ripetere, ne? Caso ciò che già io, sta sente, eh? Bienvenue les amis chez Jojo Repartout, le réparateur connu dans toutes les galaxies. Alors faites comme Laetitia Cast et son problème d'épilateur électrique. Pas de panique, avec Jojo, les panabdiques. Yeah, hein? Alors, on y a back, ouais. Comment? Allez, pour les m'enregistrer, non? Non, qui... La caméra, on s'en est mis qu'on l'a mis qu'à réparer. Alors, on y a, m'a dit. Comment? Parce que,
Quand il y a une panne, Jojo abdique. Te? Cosa? Rolando venisi là, ca omul ti morirà tu insta. E allora? Allora, cosa? Orlando venne di like a tua ultima foto. E allora? Ah, face piace. Mi faccio un like di più. Face piace di sparte se stonde con te. Tiamo au courant si la situation évolue. Di. Je viens de voir par la fenêtre que tu t'étais garé n'importe comment. Les voisins vont croire que tu es rentré en sbourgne. Je sais, je l'ai fait exprès. Comment tu as fait exprès? Oui, parce que depuis que je suis arrivé au village, quoi que je fasse, on me regarde toujours comme un étranger. Ah, ok, c'est une rébellion. Hein? Parfaitement. Et dès demain, je vais me balader en tongs, en chaussettes et en short. Et je vais acheter un camping-car énorme. Et je vais rouler doucement sur les routes du village, tout doucement. Parce que tu crois que les regards vont changer parce que tu te comportes comme un touriste? Ah non, mais au moins, ils auront une bonne raison de ne pas m'apprécier. Eh ben, tu vois, quand je te vois si susceptible, je me dis que tu as forcément des gènes corses. Pas corse, touriste. Mes gènes à moi, ils sont touristes. En plus, ils s'en vantent.